Oui, alors ces quatre-là sont celles du cœur, là, côté nord, et celle-ci, Cette qui est ici, qu'on vient de qui vient de terminer, terminer là. oui. Alors j'ai voulu dans cette série un vitrail entièrement bleu Oui, c'est ça, qui est une qui zone de calme. fasse un peu rupture avec les autres qui ont quand même une gamme allant du vert, du rose Oui, au bleu plus ou moins clair ou plus ou c'est moins ça. foncé. Mais dans le cœur, des bleus plus clairs, des bleus gris plus clairs, et là, le côté sud, alors avec des bleus assez forts. Voilà. Et pour celui-ci, j'ai pensé au retable à l'autel en bois Oui. peint, qui est d'ailleurs classé et qui a Oui. été également restauré par les monuments historiques, avec des très beaux rouges et des très beaux bleus, ce qui Oui, explique c'est cette ça. harmonie. Dans le cœur, ces quatre baies qui sont dans le cœur s'accordent parfaitement avec le retable du 18e, le retable peint. Alors, ici, oui, on a donc celui-ci qui est terminé, avec un peu une transposition, parce que là, on a trouvé des verts chamarrés qui sont un peu moins oranges que sur la maquette. Et qui conviennent, je trouve qu'ils conviennent parfaitement. Et ce qui est très beau, c'est ces matières qui sont Oui, qui sont produites des hasards de des hasards cuisson. de soufflage et de Ouais. cuisson. Alors, on aura ce bleu qui est dans les plus foncés, on aura ce bleu-ci. Et puis, d'autre part, les clairs qui joueront avec ces différentes valeurs de bleu, Oui, il y aura ceci qui jouera donc ça avec. Correspond assez aux oui, tout à fait, tout valeurs à de la fait. terre. D'autant que là, il y a des dégradés Oui, qui sont très les beaux. autres sont un peu comme là-haut, C'est ça. des sortes de nuages plus sombres. Bon, l'étonnant ici, c'est cet ensemble de 11 vitraux conçus par un seul peintre. Ça n'est pas unique. En 1950 à peu près, il y a eu l'ensemble des Brézeux, demandé à Manessier. Et puis, il y a eu quelques autres églises, mais il y en a peu. C'est intéressant au niveau de l'histoire du vitrail parce que, avec Manessier, il y a eu un commencement. C'était faire appel à des bons peintres pour faire du vitrail. Bon, tous ces gens-là, ou bien ont quitté ce monde, ou bien sont à l'âge de la retraite, ils le disent eux-mêmes. Donc il faut trouver une nouvelle génération de peintres qui soit en accord avec le vitrail et avec toutes les contraintes que cela représente, c'est-à-dire contraintes d'un lieu, contraintes d'un programme, contraintes financières, contraintes de la lumière.
Et Pierre Lefoucrière a accepté toutes ces contraintes et nous avons cette œuvre. C'est la première, alors on la salue. Les gens du pays ont commencé à croire que c'était réalisable et que c'était possible et qu'en même temps notre projet était intéressant de ce vitrail très simple qui laisse toute sa valeur à l'architecture et à l'ambiance de l'église mais qui lui donne un caractère de fête. Et puis, avec l'aide du Conseil Général, avec l'aide de la DRAC, on a pu continuer sachant qu'il nous aidait à 50%. Donc, on a continué les deux vitraux du chœur, côté sud. Et puis là, Pierre Lafoucrière a pris le temps de réfléchir un peu pour voir comment travailler la lumière. Il a repris ses cartons et il a recherché sur ses couleurs. Et puis il a recherché des verres chez Jacques Bonny. Il y a eu un travail, une collaboration entre eux deux assez exemplaire parce qu'ils ont pris le temps. Et ça, c'est très important de prendre le temps de trouver les verres qui conviennent, les rapports de couleurs qui conviennent. Et ainsi, en 3 ans de travail, non pas absolument continu, mais quand même d'un souci continuel, on a cette symphonie de couleurs très étonnante. Cette invention tient à mon souci d'être le plus exigeant possible envers moi-même et envers la création dans l'ensemble. Mais elle tient aussi au fait que Jacques Bonny m'apportait des matières, des plaques de verre tout à fait extraordinaires. Et pour certains, c'est le cas de deux vitraux, au moins de la nef côté sud. J'ai modifié la maquette en fonction justement des propositions de plaques qui m'étaient soumises. Et bien voilà, l'ensemble terminé. On se retrouve avec les 11 vitraux après quelques années de travail. Qu'est-ce que tu en penses, Paul ? 4 années de recherche. Moi, j'aime beaucoup parce que on est allé tout doucement, en s'adaptant d'abord à la lumière de l'église, à la lumière du retable, à la teinte du retable dans ses gris, et faire une lumière un peu gris bleutée, très raffinée, comme la peinture de ce retable. Et puis après, pour la nef, trouver des couleurs plus chaudes, plus fortes. Ça n'a pas été facile au départ, au moins pour moi. J'avais bien senti le graphisme, mais peut-être que mon choix et les couleurs étaient un peu trop pastel, compte tenu de l'environnement et compte tenu de la lumière qui est quand même qui tient bien sa place dans ce lieu. Et après l'expérience des deux vitraux du chœur nord, je crois que ça a mieux fonctionné. Et surtout avec l'aide des conseils de Jacques Bonny, qui a tenu compte, lui, de son expérience de verrier et de peintre, et qui a rehaussé cette couleur pour en arriver aux harmonies qui sont en place. Tout ça, c'est notre histoire de l'Église qui continue et qui, j'espère, aura de... comment dirons-nous, des bonnes lumières, et qui sera éclairé, car on dit toujours que les yeux sont les fenêtres de l'âme, et on peut dire que nos vitraux, ce sont les fenêtres du ciel.